Pour ce club qui devient de plus en plus gros chaque année, beaucoup de personnes ont contribué à la réussite de ce tournoi aujourd'hui. Je vous en remercie, on était déjà une bonne quinzaine ce matin et tout au long de la journée on s'est relayé pour fournir à tous ces enfants une journée agréable. Merci beaucoup Aimé Jacquet de sa présence aujourd'hui. Il a pu démontrer qu'on peut être grand et revenir à ses sources. Et ça c'est énorme, 1m82. Et c'est un petit cadeau qu'on voulait vous remettre, un petit souvenir de l'Escousan, donc de nos couleurs qu'on a fait faire cette année, que vous pourrez porter fièrement à tous sur votre tour. Bon, on va finir un petit peu cette belle journée, monsieur le président, mon cher Michael. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, d'avoir passé une belle journée. En plus, on était gâtés, même si on a eu de la neige le 1er mai, aujourd'hui on a eu un soleil éclatant, mais c'était inscrit, hein, je l'ai dit tout de suite. Moi, chaque fois que je viens, c'est tout de suite. Je voudrais surtout remercier, bien entendu, toute ton équipe. Je sais que être président d'un club, organiser un club, et puis le faire vivre, c'est pas évident. Dans notre société actuelle, rien n'est facile. Je voudrais surtout aussi associer les joueurs, les joueurs, surtout les petits. Moi, je suis extrêmement attentif, et d'ailleurs j'ai fini ma carrière comme ça, en tant que directeur technique du football, en m'occupant que des plateaux. Ma grande fierté, c'est d'avoir œuvré pour le football féminin et donner aussi la perspective à toutes ces jeunesses d'être tous les après-midi sur un terrain de foot. C'est-à-dire que le foot, pour moi, c'est un moment de convivialité, c'est un moment de bonheur, c'est un moment de, comment dirais-je, de vivre ensemble quelque chose. C'est ce qu'on appelle la compétition. La compétition n'est pas importante. C'est le vécu de la compétition qui est important. C'est pour ça que pour ces jeunes, faire des tournois comme ça, c'est extraordinaire. Je te félicite, toi et ton équipe, parce que je voudrais saluer aussi, et c'est la vitalité du football, c'est les bénévoles, ceux qui sont passionnés et généreux. Passionnés parce qu'ils aiment le foot, généreux parce qu'ils donnent quelque chose au foot. Et retransmettre au peu. Alors, je suis très heureux aujourd'hui de participer à cette belle journée. J'avais, depuis pas mal d'années, promis à Patrice Pontalé, qui désespérait le corps. Je lui dis, cette année, je suis là. Manque de pont, il n'est pas là. c'est pas de sa faute, mais je voudrais participer. Et je voudrais surtout, puisqu'on est tous ensemble ici, je voudrais rappeler que nos anciens. L'histoire du foot, c'est l'histoire de la vie de Saint-Sulpizan. Et on a eu des anciens ici extraordinaires. Vous avez ce stade-là. Ils l'ont construit avec leurs mains, là, ici. Moi, j'y étais. Le stade-là, on l'a travaillé avec nos mains.